Bonjour les judokas. Alors aujourd'hui, pas de technique. Par contre, on va faire quelques exercices en relation avec le judo. Donc, on s'applique bien sur la forme de l'exercice. C'est pas la peine d'en faire beaucoup, mais on essaye de bien les faire. C'est parti. Alors, l'exercice 1, on va partir sur Okuri Ashibarai. Donc, balayage de deux jambes ensemble. Donc ici, l'idée, c'est de balayer. Donc là, on va amplifier un petit peu le mouvement. On va ouvrir bras et jambes. Et au moment du balayage, on va tout fermer. On ouvre et ouais. Alors, on essaye de donner un coup de rein. Deuxième exercice, Maemawari, rotation sur la jambe avant. Je suis face à mon partenaire, à mon adversaire. Ici, je viens pousser. Ici, je viens regarder ma montre. Ici, téléphone. Donc, et je me transforme en yakitori, donc en brochette. Et je tourne. Exercice 3, Taiotoshi. Alors, pour ça, on va s'équiper d'un bâton. Là, moi, j'ai pris mon jo. Ici. Donc l'idée c'est de tenir le bâton ici et de s'en servir en fait de tsuite. Hein, donc la main qui tient le revers. Donc si je viens pousser le bâton, je tourne et je me place. L'idée c'est pas d'être ici, c'est d'être vraiment équilibré au centre, là, de bien tirer et cette jambe de la tourner légèrement. Si on est comme ça, clac, l'adversaire vous tombe sur le genou, c'est douloureux. Là, on va pouvoir baisser le genou avant. Là, ici. On va repartir dans l'autre sens. Alors, quatrième exercice, on est toujours debout. On va travailler sur Uchimata. Uchimata, hein, projection ici, de jambes là, fauchage de la cuisse. En se retournant, donc ici toujours pareil, je prends mon bâton ici et là l'idée c'est que je vais changer ma main, je vais venir me placer ici, je tire et je vais exercice 5, forcément on passe au sol et si on passe au sol c'est la crevette, ebi. On reprend le basique, les deux pieds au sol près des fesses, les mains sont là pour repousser son adversaire. Je vais utiliser la diagonale de mon corps, la jambe gauche avec l'épaule droite ou la jambe droite avec l'épaule gauche. Et j'allège le maximum mon corps. Donc ici, j'appuie sur ma jambe gauche, je me mets sur l'épaule droite et je repousse mon adversaire. Et je change de côté. Ici, exercice de rotation sur la nuque, exercice 6. Ici, l'idée, c'est de se relâcher, d'être relax et de rouler sur la nuque. Donc, l'idée, c'est pas d'aller vers l'arrière, c'est plutôt d'aller vers l'avant. Donc, mon épaule, elle va vers l'avant. Je viens poser mon épaule, mes pieds basculent et je tourne. Je me retrouve de l'autre côté. Je fais la même chose, mon épaule. À chaque fois, j'essaye de faire passer mes pieds. Voilà. Avant-dernier exercice, le pont. On a fait ebi. On part un petit peu du même principe. On va s'appuyer sur une épaule avec la jambe opposée, en appuyant sur la jambe opposée. Ici. Mais au lieu de repousser les fesses vers l'arrière, on va essayer de monter vers le haut. Donc ici, je pousse ici. Et je viens chercher bien ici. On doit avoir un bon étirement au niveau des costales ici. Je change de côté. Dernier exercice, un petit renforcement des abdominaux. Et en plus, on va travailler les remontées sur un adversaire qu'on aurait entre les jambes.
l'idée c'est d'avoir son adversaire ici entre les jambes qui essaye de passer notre garde. Nous on va venir pour passer par-dessus son épaule. La tête est ici, les épaules sont là. Je vais venir passer par-dessus l'épaule. Donc maintenant qu'on a vu tous les exercices, on va enchaîner dans notre système Tabata, on va enchaîner tous nos exercices, 30 secondes de travail, 10 secondes de récupération. Et on fera ça 3 fois. Donc ça vous fait un petit entraînement aujourd'hui, mais ça permet de vous garder un petit peu la patate par ce beau soleil. Ça peut se faire aussi dans son salon s'il pleut. Donc mon système Tabata, hein, si vous n'en avez pas, vous allez sur Google Store ou je sais pas quoi là, Play Store, pour récupérer, moi il s'appelle Tabata Timer, c'est gratuit et ça fonctionne très bien. Start et on part pour notre Okuri Ashibarai. On est prêt, 2, 1, top. Essaye de mettre de l'amplitude. Ok, on a nos 10 secondes de récupération, mais très vite, on passe à l'exercice suivant. Donc, Maima Wali, rotation sur la jambe avant. On récupère notre bâton pour notre Taiotoshi. Uchimata. Là, on y va des contractes. Thank you.
Voilà, on est parti pour une minute de récupération. Et ça, on va le faire trois fois. Donc, je compte sur vous. Vous m'envoyez deux, trois petites photos pour les gens du club. On mettra ça sur la page Facebook du club. Bien prouver que vous continuez à vous entraîner malgré le confinement. Allez, soyez forts. À vous !